Je m'interroge ce jour sur la question de la nette augmentation du taux d'importation des véhicules usés dans ce pays. Depuis cette saison de pluie, il faudrait vous placer tout simplement lors des embouteillages, comme ce fut le cas ce matin, pour voir les tonnes et la qualité de fumée qui se dégage du tuyau d'échappement de certains véhicules et comprendre que décidément, une heure pour un piéton d'être pris entre les embouteillages égale une heure de moins sur sa vie, tellement il aura respiré un ensemble de compositions toxiques chimiques qui vont précipiter sa mort s'il a une santé cardiovasculaire pas évidente. Le visage qu'offrent plusieurs voitures en circulation aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains est d'une désolation à nul autre pareil. N'ayons pas peur d'avouer que le parc automobile réservé au transport urbain au Cameroun grouille de ces véhicules pourris, usés jusqu'aux pneus, mais toujours autorisés à circuler par on ne sait qui. Ce qui est surprenant, ce sont les usagers camerounais qui, à leur risque et péril, empruntent ces voitures faute de mieux, disent-ils. L'importation des véhicules de plus de 5-10 ans se porte bien dans ce pays. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui marque. Nous sommes jeudi. Si l'état de la route concourt à la vétusté de ces engins à quatre roues, il reste tout de même que beaucoup d'entre eux sont déversés au Cameroun après avoir consommé plus de 10 ans de vie, ce qui accentue le phénomène de la pollution. Des carrosseries à peine reconnaissables et les véhicules eux-mêmes devenus brinque-ballants malgré moult passages à la tôlerie pour réfection. Comment comprendre que ce sont des véhicules bannis de la circulation en Europe et en Asie qu'ils soient utilisés comme taxi ou véhicule à usage personnel dans ce pays? De l'avis de certains experts, ces véhicules sont tous bannis de la circulation en Europe et le benzène contenu dans l'essence aurait des effets cancérigènes. Malheureusement, les ravages ne s'arrêtent pas là. Ces véhicules sont de véritables carcasses mortifères. Où est passé le projet véhicule made in Cameroun? Posez la question au ministre du Commerce, posez la question au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, peut-être ils auront les réponses. Savez-vous qu'en moyenne, 30 000 voitures et camionnettes sont importées chaque année au Cameroun, importation dominée par les véhicules d'occasion âgés de plus de 15 ans. Comment on y arrive là? Lorsqu'il y a des textes et des décrets qui interdisent, lorsqu'on a mis même implémenté des facilités pour permettre à ceux qui vont importer des voitures plus neuves de payer moins pour ce qui est de la douane. Ils sont de plus en plus nombreux ces véhicules, dépassant parfois leurs conducteurs en âge. Car ce ne sont pas les routes qui sont à l'image de la ville elle-même, ce sont les véhicules occupés par les usagers qui en sont la marque caractéristique. Au Cameroun, les voitures d'occasion représentent 57,3% des 52 272 véhicules sur l'ensemble du territoire national, soit 47 466 taxis et 6 146 cars, un chiffre qui doit être bien au-delà à ce jour. Rappelons-nous, il y a quelques années, par un décret, on avait interdit les cargos. On avait littéralement interdit la présence des cargos. Mais 2 ans seulement après ce décret, 2 ans, les cargos ont recommencé à ressortir par le même port de Douala. Ils ont recommencé à écumer nos rues. Ils ont repris leur activité d'antan. Était-ce des cargos neufs? Point d'interrogation, suivez mon regard. À Douala, la capitale économique, la situation est plus dramatique. La quasi-totalité des véhicules réservés au transport en commun ne rassure pas du tout les usagers de la route qui sont pourtant obligés de s'y engouffrer. Marché central, Bonaberry, placez-vous là-bas au niveau du gazon, vous comprenez de quoi je parle. Ce qui frappe, c'est le gaz toxique que crache ces véhicules. C'est que pour la plupart de seconde, troisième ou quatrième main, et donc vieux, sont mal entretenus. Leurs conducteurs plus intéressés par les recettes que par l'état de leur véhicule en viennent à oublier les nécessaires réglages. À Yaoundé, le préfet avait pris une décision lorsqu'on préparait la CAN. Interdiction systématique de voir circuler les véhicules ayant atteint, dépassé l'âge de blablabla et blablablu. On a validé, tous on a applaudi. Il y a eu des envies de marche qui ont été réprimées. À ce jour, Douala se porte bien. Yaoundé se porte bien. Mokolo Nkwalbison. Mokolo Etourebe. Mokolo Dagobert. Mokolo Femenor.
Mokolo Kansonal Oyomaman. Et j'en passe. Mokolo Kwalebison. Vous allez vous rendre compte que ces véhicules sont fatigués. Poste central, soit. À quand l'implémentation de la prime à la casse dans ce pays? Pourtant, la loi de finances 2019, adoptée par le Parlement en novembre dernier, comporte clairement un plan fiscal pour lutter contre les importations de voitures d'occasion au Cameroun. Cette loi indique que l'importation de véhicules de tourisme d'une cylindrée inférieure ou égale à 2 500 cm³ de plus de 10 à 15 ans est désormais soumise à un taux de droit d'accise égal à 12,5%. Pour les véhicules de plus de 15 ans, le droit d'accise est de 25%. Par contre, les véhicules de 1 à 10 ans sont exemptés du droit d'accise. Pour les véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure à 2 500 cm³, âgés de 1 à 15 ans, la taxe, on l'a dit, c'est une répétition. Plus de 15 ans à 25 ans, c'est 12,5%. Par contre, de 0 à 15 ans, c'est 0% du taux du droit d'accise. La décision gouvernementale d'appliquer un abattement de l'ordre de 30% pour les véhicules neufs et ceux dont l'âge ne dépasse pas les 7 ans depuis 2011 n'a pas eu beaucoup d'impact. À ce jour, on est surpris et on va bientôt rentrer dans cette période que c'est dit bien, la vente aux enchères au port de Douala.